Bien, bonjour à vous et bienvenue chez FliMitch. Vous allez bien Moi ça va super, ou presque. Un type qui a volé ma barbe et qui voudrait la manger maintenant. Donc euh, évidemment, Julisme, si tu veux bien faire l'effort de me rendre mes attributs masculins, je serai ravi. En attendant, on va parler aujourd'hui un peu d'élevage. On va faire un peu le point sur mon élevage sur l'Isaël, histoire de rappeler où j'en suis et de montrer un peu les objets que je suis désormais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont demandé régulièrement pendant les streams, pendant les vidéos, etc. pendant... Dans les sections commentaires, quels objets utilisez-moi en privé sur l'isa, évidemment. Euh, donc, je vais vous partager un peu ça, puis je vais vous faire un peu un statut de mon élevage, puisque je rappelle que mon but en élevage, c'est toujours d'avoir euh, des quantités de dragodindes plutôt équilibrées et que ça se passe assez mal. J'ai un léger souci. À la dernière reproduction de dragodindes, j'ai eu 72 dragodindes stériles. Je suis face à un problème de repopulation de l'enclos euh, qui va prendre un certain temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'anonymes ici. Je ne sais pas si je vais toutes les garder. Il y a encore beaucoup de montures qui doivent accoucher. Ça veut dire aussi que sur ces 72 montures stériles, il y a donc 72 montures à remplacer possiblement et cela avec la joie incroyable de devoir les monter niveau 5 et de les rendre matures avec des abreuvoirs, j'adore faire ça, vraiment c'est génial, c'est le voilà, monter 72 montures niveau 5 c'est Mmh, aïe, 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 caramba, c'est incroyable, vraiment, qui n'apprécie pas ça Évidemment, petite dédicace à Majem et à sa vidéo sur la potion de destination inconnue. J'achète 200 pinces de crabe sur Eliselle. non, c'est une blague, rassurez-vous donc, entre cette méconveillance, cette petite erreur de gestion ici et là, et le fait que je n'ai toujours pas réalisé l'équilibre parfait dans mon élevage et que j'y prends un peu moins de temps parce que c'est rébarbatif et que parfois j'ai envie de faire autre chose, donc je laisse traîner une journée ou deux, je suis dans une situation de gros galérien. D'accord Pour vous donner des chiffres et pour vous rappeler pour ceux qui suivent, mon but c'était d'avoir 15 émeraudes. Euh, femelles, 15 émeraudes mâles pour avoir donc 15 couples, pour avoir donc 30 émeraudes femelles et mâles, d'avoir euh, 15 prunes euh, mâles, 15 prunes femelles, donc pour avoir 15 couples de prunes femelles, euh, 15 couples de prunes, par pur hein, évidemment. L'idée était donc d'avoir euh, déjà rien que sur ça, une soixantaine de dragonnades, émeraudes et prunes pour les parchemins d'attelle et de force, les puissants parchemins d'attelle et les puissants parchemins de force d'avoir une vingtaine de couples de la même façon en émeraude ivoire d'avoir de la même façon une vingtaine de couples en euh, c'était quoi c'était euh, émeraude ivoire et Prune et turquoise, donc de la même façon pour avoir là aussi encore 80 dragodindes, ce qui va avec les sons de première, un total de 140 dragodindes, ici pour focus les parchemins puissants de chance et les puissants parchemins d'agilité, et donc un total de 140 dragodindes, à auquel on peut ajouter évidemment, attendez, 180, nanana, 60, 80, 140, où on peut ajouter donc encore une centaine de dragodindes, 50, 25 mâles, prunes dorées, 25 mâles, émeraudes rousses, 25 femelles, émeraudes rousses et 25 femelles, prunes dorées, dans le but de faire des puissants parchemins de vitalité et des puissants parchemins de chagesse. J'allais réfléchi à ça de façon à me dire que, évidemment, comme c'était que des prunes et que des émeraudes pour les puissants parchemins de force et d'intel, ça serait plus facile d'en faire moins pour moins surcharger le marché parce qu'il vaudrait naturellement moins cher. Tout ça fonctionne bien. En plus, le prix des parchemins en ce moment remonte. Il y a de moins en moins d'éleveurs sur le serveur qui sont vraiment assidus. Les enclos qui ont disparu au fur et à mesure avec les guildes inactives, il y en a de plus en plus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis dans une situation de gros galérien. Par exemple, sur les prunes turquoises, comme vous le voyez ici, j'ai actuellement 50 sur 250 montures dans les tables, mais en réalité, ici, on a plein de montures qui vont virer. Et mon but, c'était quand même d'en avoir que 40 des prunes turquoises. C'est par exemple les prunées dorées, où j'aimerais en avoir actuellement 50, mais si vous le voyez ici, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 femelles. Et euh, grosso modo, le reste sont stériles. Donc, c'est l'heure du grand. Le bot YouTube, I'm um, Strike. Si je fais le mot au complet, le grand. Blablabla, blablabla, bla bla bla, remplacement. Oui, parce qu'évidemment, c'est le genre de théorie du complot que le bot YouTube Strike. Hein. Nice, c'est génial. Euh... <laughs> mais il faut quand même que je remplace toutes ces putains de dragonnes qui sont énormément manquante. C'est la galère de ouf. Euh, <laughs> J'ai vraiment un trou dans l'élevage. À un point, je n'ai que 33 montures prunées dorées. Et d'ailleurs, si on regarde les montures mâles ici, je n'en ai que 13 sur les 25 que je veux. Donc, il y a un gros boulot de rééquilibrage à faire. C'est une véritable galère. Il y a eu beaucoup trop de montures stériles. Il y a eu beaucoup trop d'oubli de ma part. Et le pire, c'est qu'il va falloir faire attention à remplacer instantanément parce que celle-là va devenir stérile. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ah, Qu'est-ce qu'on a Juste celle-là juste une, juste une qui devient un stérile. Ah, oh, c'est une presque bonne nouvelle. Euh, <laughs> Elle-là va devenir stérile. Celle-là pas encore. Celle-là si. Euh, celle-là au prochain coup. Donc voilà, déjà il y a trois montures qui. Il faut, il faut commencer à équilibrer. Il faut prévoir à l'avance et tout. C'est la galère. Il faut absolument que j'arrive à rééquilibrer mes stocks et que je reprenne de façon assidue. Mais pour cela, j'ai quand même fait attention à changer un peu d'items. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est la question de beaucoup de personnes. J'ai changé mes foudroyeurs du compte à Robourg ou du Dazak Martegel pour des foudroyeurs du compte Azov. C'est du tiers 2, c'est pas du tiers 1. Ce que j'entends par tiers 2, c'est que c'est le foudroyeur du niveau en dessous, dans les foudroyeurs que j'appelle marathon, marathon parce des foudroyeurs de durée. D'accord Donc qui ont beaucoup de résistance mais moins d'efficacité, donc ils sont faits pour de longs élevages, qui prennent leur temps. Ces foudroyeurs Marathon, le tiers 2, c'est le foudroyeur du Contrasof, qui est évidemment bien moins efficace que le l'Azak Martegel dans un sens, mais aussi bien moins cher. J'ai crafté chacun de ces foudroyeurs pour environ 50 000 unités, d'accord On peut le voir ici à la recette associée. L'essence du Contrasof, c'est vraiment pas cher, Il hein on y en a pour vraiment 45 000, sans déconner. Ici, on voit que les cuirées hautes ça ne coûte rien. À côté de ça, les foudroyeurs équivalents se font avec des ressources de Dazak Martegel ou alors du compte à bourg, en tout cas au tiers supérieur, et malheureusement, le but dans un élevage pour faire de la marge, ou, enfin pour faire du gain, n'est évidemment pas de jeter de l'argent, hein, parce que le but pour faire euh, du, du gain, c'est d'abord de réduire les coûts de production, hein, c'est une base, euh, et vous voyez qu'ici, l'essence de Dark Martel, c'est au moins 58 000 km euh, par épaulette, soit 580 000 km l'item. Donc, on est sur un item qui coûte 10, 11 à 12 fois plus cher que le précédent. Donc, évidemment, je perds, je passe de 90 d'efficacité, enfin de 110 à 90, je passe de 25 000 à 18 000 de, de, de durée, entre guillemets. Je vous laisse faire dans les commentaires euh, la différence d'accord exacte entre un foudroyeur du compte Azov et un foudroyeur de Desac Martegel. Le commentaire, le, le premier commentaire à me dire exactement. Quelle est euh, la quantité d'efficacité cumulée? Le, le, le calcul est dans le tutoriel sur l'élevage. Hein. Donc, la quantité d'efficacité cumulée sur le courant Trasoff et sur le Dedak Martegel. Le premier commentaire à mettre ça dans les. Dans les ouais, qui est le plus juste possible? Gagne 200 000. Voilà, comme ça vous, êtes, vous avez une raison de commenter. Euh, <laughs> enfin, en tout cas, voilà. Pareil, Dragon de Mrs. Freeze. Là, c'est marqué 139 000. Mais en réalité, si on regarde les recettes associées, l'essence, elle est à 306 000 et c'est très très proche du prix réel. Elle doit coûter environ aujourd'hui 240 000-250 000 à faire. Donc là aussi c'est 5 fois plus cher que les Dragofes, donc qui sont clairement du tiers 2, hein, exactement comme les euh, foudroyeurs du contre Donc j'ai changé ça. Je n'ai pas changé mes mangeoires d'Anris et je n'ai pas changé mes baffeurs et mes caresseurs. Toujours caresseurs de Mercator et toujours buffers de Niliza. Clairement pour l'élevage de dragodin de parchemin, ça me permet de réduire énormément les coûts. Je rappelle qu'ensuite avec les capacités reproductrices et autres... Je fais à l'heure actuelle mes gains euh, je, je, Vraiment hein, je suis très très largement gagnant J'ai mis plus de 10 millions dans ces items Je pense clairement qu'ils devraient normalement tenir Septembre, octobre, voire novembre largement J'en ai fait beaucoup beaucoup Vous voyez pas tout Une partie des items est sur le SRAM Et puis évidemment il y a reproductrice, il y a le full énergie Enfin bref Moins, moins de coûts, plus de gains Évidemment, hein. il faut savoir faire des économies Donc ça fait plaisir de vous montrer un peu ça Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui posaient des questions euh, donc voilà, pour essayer de résumer un peu cette vidéo, euh, je suis actuellement en galère au niveau euh, de, de ce rééquilibrage. Quand j'aurai réatteint un point d'équilibre, je vous referai une vidéo pour vous montrer le point d'équilibre. Puis je vous ferai peut-être une dernière vidéo quand j'aurai fini le leveling. Mais évidemment, pour ceux qui l'auront compris, j'ai sûrement bien plus que 72 dragodins à monter niveau 5 à l'avenir. Parce que, avec la reproduction suivante, il va y avoir encore des montures stériles. Donc je m'attends à passer un temps absolument incroyable. Soit à claquer des potions de destination inconnues, redédicaces à Magem évidemment, comme d'habitude. Allez voir la chaîne à Magem, elle est vraiment bien. Essayez de travailler ces vidéos. Et à claquer beaucoup, beaucoup de quêtes quotidiennes ou d'almanax que je vais rendre avec une monture d'équipée, car les montures prennent l'expès des quêtes et des succès. J'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que ce suivi de mon élevage fait en tout cas de l'aide à certaines personnes qui ont des questions. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes. Je rappelle qu'il y a des bottes dislikes sur la chaîne. Il y a régulièrement 30 dislikes qui sont supprimés de chaque vidéo depuis plusieurs mois. Il y a certains youtubeurs astuces Kama qui, grosso modo, m'en veulent énormément que j'ai montré leurs arnaques ou expliqué leurs arnaques en stream. J'assume complètement. Cela dit, si vous voulez vous montrer votre soutien à la chaîne, c'est le moment en ce moment. N'hésitez pas à me faire ce petit bisou en bas et à venir évidemment me voir sur Twitch etc. Je sais que je peux parfois être un gros connard cynique mais dans le fond je vous remercie tous vous m'avez rendu très fier de Mido sur l'élevage. Des gros bisous à tous et à plus chez Flynn Winch.